Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Rouillette, heureux de vous retrouver pour le 13e épisode consacré à Lightroom. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'apprendre à importer vos photos automatiquement. Vous avez bien entendu, automatiquement. Nous avons appris dans les vidéos précédentes comment importer vos photos via une carte mémoire, un CD, DVD, etc., etc. N'hésitez pas à revenir visionner les vidéos précédentes. Donc là, je me retrouve sur le bureau de Windows. Donc avant de pouvoir importer automatiquement nos photos, il va falloir procéder à la création d'un dossier. Donc ici sur le bureau, moi j'ai un dossier image. Donc je vais ouvrir ce dossier. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un nouveau dossier. Donc pour créer un nouveau dossier, je peux venir ici sur nouveau dossier. Donc je vais appuyer sur Nouveau dossier. Et je vais l'appeler Dépôt photo. Mais rien ne vous empêche de le nommer différemment. Mais sachez retrouver votre dossier. Alors maintenant que mon dossier est créé, je vais importer une photo ou un dossier. Donc là, je vais introduire la carte photo dans le lecteur de mon ordinateur. Donc là, vous avez entendu, il y a une petite fenêtre qui apparaît et je vais ouvrir mon dossier DCM. Je vais réduire ici, sur un niveau inférieur, et je vais appuyer sur la touche Windows plus la flèche vers la droite, ce qui va me permettre de couper, mon écran en deux. Ensuite, ici sur Images raccourcis, je vais ouvrir mon dossier. Pareil, je vais appuyer sur la touche Windows plus la flèche vers la gauche. Et vous voyez, on retrouve notre dossier dépôt photo. Donc ici, j'ouvre mon dossier 159.04. Et ici, je vais prendre une ou deux photos. Je vais prendre deux photos. Et je vais les glisser dans ce fameux dossier que je viens de créer. Je referme le tout. Et maintenant, je vais lancer mon Lightroom. Okay. Ici, je retrouve sur Importer. Et là, je vais venir, non pas. Je vais venir sur le disque C, utilisateur, user, image, et ici on retrouve notre dossier dépôt photo. Donc là, j'ai ma photo qui apparaît. Donc là, je vais faire tout sélectionner. Je vais lui dire d'ajouter les photos, je ne vais pas les copier ni les déplacer, je vais faire ajouter. Donc, elles sont déjà sur mon ordinateur. Et là, je vais faire importer. Donc là, la photo apparaît bien, sur mon ordinateur. Donc si je viens ici, je fais un clic droit dessus, atteindre le dossier de la bibliothèque. Donc c'est bien le dossier dépôt photo. Donc je me retrouve de nouveau sur mon bureau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais réintroduire ma carte photo. Donc je vais refaire la même procédure que tout à l'heure. Donc je prends ma petite fenêtre et je vais appuyer sur la touche Windows plus la flèche vers la droite. J'ouvre mon dossier DCM. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir mon dossier image ici. Et là, je vais appuyer sur la touche Windows plus la flèche vers la gauche. Donc, j'ai toujours bien mon dossier dépôt photo, où j'ai mes deux photos que j'ai déjà déposées. Je vais prendre carrément le dossier 159.15.02 et je vais venir le glisser dedans. Donc là, il est en train de faire la copie des photos sur mon disque dur.
Maintenant, je vais pouvoir refermer cette fenêtre. Je referme mes deux fenêtres et je vais revenir sur mon Lightroom. Sur mon Lightroom, hein, donc on a bien le dossier dépôt photo. Et là, je vais faire un clic droit maintenant sur mes photos et je vais faire synchroniser le dossier. Je vais appuyer sur le bouton synchroniser. Et là, il va m'importer les nouvelles photos qu'il a trouvées dans mon dossier dépôt photo. Voilà, l'importation de vos photos est terminée. Je vous remercie de votre attention et espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu, en espérant que j'aurai réussi à vous simplifier la procédure d'importation de vos photos. Alors, maintenant, au travail. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.